Je suis le parrain. Je m'appelle parrain. Je suis le parrain. Je suis le parrain. Je t'aime comme parrain. Thank you.
Aujourd'hui, elle est encore vide depuis plus d'un an et demi. Et ce bâtiment, combien de temps il va rester encore vide? Pourtant, on en a encore besoin de ce bâtiment. Et nous garder plus de 400 personnes. Chacun, en fait, on était très libre là-dedans. Donc, le CRS qui nous a expulsé le jour de samedi, on n'est pas content. C'est pour vous rappeler que ce bâtiment est fou encore. Ici, on était à Libye, on travaille bien. Mais la guerre qu'ils sont allés là-bas en 2011 pour aller bombarder en Kadhafi, nous, on ne sait pas là où on part. Il va te montrer les deux choses, les possibilités que tu peux le faire. Tu vas venir en Europe ou bien et il va te mettre dans les armes. Donc, tu vas faire comme les rebelles. Nous, on ne veut pas ça. Et qui ne veut pas tuer les gens, donc tu ne peux pas faire les guerres comme les autres. Parce que si tu n'as pas fait les militaires au pays là-bas, tu ne peux pas venir ici pour crier directement comme ça. Donc c'est pour ça même, il t'a montré les deux choses là. Donc si tu voulais venir en Europe pour sauver ta vie, donc tu viens. Parce qu'on n'est pas seul. C'est nous là-bas aussi, il y a guerre là-bas, on ne peut pas retourner en derrière. Donc on est obligé de venir à devant ici. C'est pour ça qu'on est venu ici, en France ici aujourd'hui. Thank you.
nous avons choisi de venir vivre avec les Français. Vivre la guerre en Libye et dans une perspective en passant par une guerre. Aujourd'hui, notre but a obtenu notre régularisation du logement. Aujourd'hui, les Français sont notre unité. Aujourd'hui, c'est la langue française qui est la mesure que nous parlons. Nous avons un avantage de langue. Ce n'est pas tous les autres pays qui sont à l'arrière. Aujourd'hui, nous sommes humiliés devant cet pays à cause de ces pays. Où il y a eu arrestation de 76 personnes. Ils étaient embarqués de nous emmener au dépôt de Aubervilliers et de la Chapelle en fait. Comme quoi, c'était juste le contrôle d'identité. Mais sauf que le temps oublie que nous sommes toujours des sans-papiers, on n'a pas d'identité. Donc, une fois on était là-bas, on va vous dire tout de suite dès qu'on est sur place. Embarcation de ce collectif, une partie de collectif a été embarquée par la force d'ordre. Pour la raison, comme quoi c'était une contrôle d'identité, sauf qu'ils avaient oublié que nous sommes des sans-papiers, on n'a pas de carte d'identité sur nous. Et sans-papiers, on sait comment. Voilà. Moi, je sais très bien que j'ai un nom, chacun de nous a, sait comment il s'appelle en fait. Mais ils nous ont amenés au commissariat de faire semblant qu'ils allaient nous contrôler. Sauf qu'on n'avait pas de papier, on était relâchés quelques heures plus tard. Donc, c'est juste ça qu'on va s'arrêter ici pour dire ça. Afficher là, un jour on était là, les CRS sont arrivés en disant qu'on ne peut plus rester là parce que nous, quand on avait envie de faire pipi, on ne passait pas loin, on le faisait pas près là. Donc, on a salué devant la mairie, c'est pas bien,
Mais si on était devant ces mairies là, c'est parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, on vit toujours dans le squat avec laquelle on a demandé le maire de nous soutenir. La mairie de Banyolé, elle a toujours fait une phrase à nous dire que nous, c'est-à-dire, on a squatté au 72 où il est l'argent, qu'on va assumer la conséquence. Ce qui, depuis 3 ans, on est en train de squatter. C'est parce qu'on n'a pas les moyens, nous, on n'est pas quitté chez nous de venir ici en France de squatter le bâtiment des gens. Ça nous fait mal. Donc, il faut que le mairie trouve une solution avec la préfecture. Avec le gouvernement, nous sommes là, on ne bouge pas, on va nulle part, ensemble, crier. C'est là qu'ils nous ont suppressés violemment, ils nous ont tapés comme des chiens.
savent que chaque fois on vient, c'est la force d'ordre qui nous attend. Ce n'est pas la première fois, on a l'habitude. Donc la troisième fois, ils seront là. Ce n'est pas grave. Le maire de Lila, en fait, il nous dit qu'il nous soutient. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La mairie de Lila ne soutient jamais. Ils soutiennent qui? La force d'ordre. Ils sont là pour nous toucher. Là. Donc, c'est pour vous rappeler aussi que au squat, tout le temps, la police que vous voyez là, ils viennent devant le squat, ils nous chopent un à un, même pour le moment, il y a un des baraques qui est au centre de rétention, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le libérer. Il a été jugé le 1er février qu'il fallait que le mec attend, on ne sait pas, 20 ou 25 jours pour qu'il sorte avec une UTF ou on lui amène quelque part. Donc, la mairie peut nous soutenir d'aller voir le juge qui revient sur les décisions des singes de libérer le gars tout de suite. On aimerait ça. Et puis, le collectif Bara, on a fait plusieurs demandes à plusieurs mairies différentes dans ces mairies-là. Et celle de Bagnolet, et celle de Montreuil, et celle de... En fait, ils sont neuf mairies différentes, je ne sais pas. Ouais, nous, on aimerait que la mairie nous soutienne au niveau de la préfecture, surtout au niveau de la justice, de ne pas nous expulser 72 rue René Lazare après le 25 ou le 27. Sinon, on viendra ici, même si ces polices seront là, c'est pas grave. On va venir camper ici. C'est chez nous aussi, en tant qu'un sans-papier, c'est pas grave. Nous, on attend toujours que la France est un pays de droit. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui se sont venus ici, ils ont été naturalisés tout de suite. Pourquoi? Nous, on demande cas de séjour français, c'est impossible. Il fallait qu'on attende 20 ans, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on attende qu'on soit vieux pour nous donner ce cas de séjour. Après, ça sert quoi?